Amen. Bless the presence of each and every one of us in his presence, in this place. Que le Seigneur soit glorifié. May the Lord be glorified. Nous allons prendre nos Bibles. We will very fast take our Bibles. Si ça ne te dérange pas, tu peux te mettre debout pour aller lire la parole. If it doesn't bother you, please let's all stand up for the word of God. Nous sommes dans 2 Samuel. We are in 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. Nous lisons le verset 14. 2 Samuel chapter 3 verse 14. 2 Samuel chapitre 3 verset 14. 2 Samuel chapter 3 verse 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. In the name of Jesus Christ. Et David envoya des messagers à Ishbosheth. David sent messengers to Ishbosheth. Fils de Saul. Saul, son. Pour lui dire, saying, donne-moi ma femme Michal. Deliver me my wife Michal. Que j'ai fiancé pour 100 prépices de Philistins. Which has spoused to me for 100 foreskins. On peut s'asseoir. Let's all be seated. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bless you. Nous sommes dans la joie. We are happy. Pour la grâce que le Seigneur nous a encore accordée ce matin. The grace and favor that God has done for us. Nous sommes alliés en ces lieux. We are in this place. Puisque le Seigneur a permis que cela soit ainsi. The Lord wanted it to be this way. Quelqu'un pouvait peut-être avoir fait aussi le programme de venir. Somebody may have planned to come here today too. Mais si la grâce ne lui a pas été donnée de la part du Seigneur, but if he wasn't favored by the word of God, il ne peut pas venir. He will not be able to come. Voilà pourquoi nous disons que tout ce que nous faisons, which is why we say everything that we si do, nous vivons, if we are living, quand nous dormons, nous nous réveillons. When we sleep and wake up, nous disons que c'est par la grâce we say it's by the grace of God. Voilà pourquoi le frère Paul nous dit. Which is why Brother Paul could say. Qu'est-ce que tu as? What is it that you have? Que tu n'as pas reçu. That you did not receive from God. Tout ce que tu as, whatever you have, tu l'as reçu de quelqu'un. You received it from. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Is the Lord Jesus Christ. Même si tu es intelligent, even Lord, if you are smart in school, cette intelligence, c'est le Seigneur qui t'a. That smartness is the Lord who gave it. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'enorgueillir. Which is why you can't be proud. Même si tu as beaucoup d'argent, il y a quelqu'un qui t'a donné l'intelligence et la force. Amen. Amen. Pour acquérir cette richesse. Alors ne t'enorgueillis pas. Do not be proud. Puisque c'est lui qui t'a donné cela. Because who that gave you, il est capable de te l'hériter. Amen. 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 Nous continuons notre enseignement sur le mariage. We are still on our teaching about marriage. On sera court. We will be very short today. Mais je voudrais répondre aussi à deux questions. But I will also want to answer two questions. Puisque dans la parole de Dieu, because in the word of God, il est permis de poser la question au prédicateur. It's allowed to ask questions to the preacher. Et le prédicateur doit répondre. And the preacher must answer. Par rapport à l'enseignement qui est donné. Based off of the teaching that was given. Alors. So, la première question, the first question, je la réponds maintenant et la deuxième, ça sera à la fin. I will answer now and the second I will answer at the end. Nous lisons d'abord le livre de Jean. Let's read the book of John. Jean chapitre 10. John chapter 10. Jean chapitre 10. John chapter 10. Nous lisons le verset 26. John chapter 10, verse. Mais. John chapter 10,
verse 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. But you believe not because you're not my sheep. Mes brebis entendent ma voix. As I said unto you, my sheep hear my voice. Je les connais. And I know them. Et elles me suivent. And they follow me. Alors, je veux maintenant que vous puissiez lire attentivement le verset 28 et 29. I would like you to read carefully verse 28 and 29. Je leur donne la vie éternelle. And I give unto them eternal life. Et ne périront jamais. And they shall never perish. Et personne ne les ravira de ma main. Neither shall any man pluck them out of my hand. Verset 29. Verse 29. Mon père qui me les a donné. My father which gave them to me. Est plus grand que tous. He is greater than all. Et personne ne peut les ravir de la main de mon père. No man is able to pluck them out of my father's hand. Alors, regardez. Now look. Le verset 28 dit. Now verse 29. He says que les brebis sont dans la main. That sheep are du Seigneur. In the hands of Jesus Christ. Mais le verset 29 dit. But verse 29 says. Les brebis sont dans la main de qui? Are in the du Père. Hand of the Father. Vous voyez? You see? Verset 28. 28. Jésus dit que. Jesus says. Les brebis du Père. Sheep of my Father. Sont dans la main du Seigneur. Are in the hands of Jesus Christ. Mais verset 29. But in verse 29. Les mêmes brebis sont dans la main du Père. The same sheep are also in the hand of the Father. Alors la question. So the question. Dans quelle main se trouve les brebis de Dieu? Was in which hands is in which hand of God is a sheep? Dans quelle main? In which hand? Dans la main du Fils? In the hands of the Son? Ou bien dans la main du Père? Or in the hands of the Father? C'est ça la question qui est posée. That's the question that was asked. Alors nous lisons. So let's. Vous savez, la Bible s'explique elle. You know the Bible explains itself. Amen. Dieu a dit ceci. God says this. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Your thoughts are not my thoughts. Et vos voix ne and sont pas mes voix. And your voices are not my voices. Dans le monde on dit. In the world they say. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. The voice of the people is the voice mais of God. La Bible dit. But the Bible says. La voix de Dieu. The voice of God. La voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. The people was never the voice of God. Donc le peuple peut décider. So people may decide. Et si le Seigneur, but if the Lord, si l'adhésion du peuple ne rencontre pas la volonté de Dieu, if the will of the people does not go along with the will of God, c'est que le peuple a décidé en vain devant Dieu. The people decided in vain. Alors nous lisons Esaïe. So let's read Isaiah. Pour connaître qu'est-ce que la Bible appelle la main de Dieu. To understand what the Lord calls the hand of God. D'abord Dieu est esprit. First of all, God is spirit. Vous savez ça? Do you know that? Dieu est esprit. God is spirit. L'esprit, the spirit, n'a ni chair ni os. Doesn't have flesh, ni bones. C'est ça ce que le Seigneur a dit. That's what the Lord said. Esaïe 66. Isaiah 66. Esaïe 66. Isaiah 66. Je commence par le verset premier. I start from the first verse. Ainsi parle l'Éternel. Thus said the Lord. Le ciel est mon trône. The heaven is my throne. Et la terre mon marge. And the earth my footstool. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Where is the house that I can build unto me? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? And where is the place of my rest? Toutes ces choses. For all those things. Ma main les a faites. Are my hand made. Et toutes ont réussi l'existence. And all those things have been, dit l'Éternel, said the Lord. Voici sur qui je porterai mes regards. But to this man I will look. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Even to him that's poor of contrite spirit or tremble of my word. Sur celui qui craint ma parole. To whom or fear my word. Alors suivez-moi. Now listen. Par rapport à cette écriture. Based off of the scripture. Le Seigneur dit que toutes ces choses. The Lord says that all of these things ont été faites par sa main. Were created by his hand. Le ciel, the heaven, la terre, earth, toutes ces choses ont été faites par la main de l'Éternel. By the hand of God. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Do we understand each other? Nous lisons encore Esaïe 59. Let's read Isaiah 59. Avant de lire Esaïe 59, before reading
Lisons d'abord Jean chapitre 1. Let's first read John chapter 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. John chapter 1. Je commence par le verset 1er. I'll start from the first verse. Au commencement était la parole. The beginning was the word. Et la parole était avec Dieu and et la parole the était word Dieu. Was with God and the word was God. Elle était au commencement avec Dieu. The same was in the beginning with God. Toutes choses and all things ont été faites par elle. Were made by him. Et rien de ce qui existe and without him, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Was without him, was nothing made that was made. Donc ici l'Écriture dit. So here the Scripture says. Toutes choses ont été faites par la parole. Everything was made by the word. Mais Isaïe lui dit. But Isaiah says. Que toutes choses ont été faites par la main. De l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Yes. C'est que pour dire que so la main de l'Éternel, c'est quoi? Sa parole. Est-ce que vous comprenez? Yes. Amen. La main de Dieu, the c'est sa parole. God is his word. Or cette parole-là this word a été faite chair. Was made flesh. Quand la parole a été faite chair, when the word was made flesh, on l'a appelé. How did we call it? Jésus-Christ. Pour dire que la main de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est Jesus Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Esaïe 49. Isaiah 59. Oh, c'est 49. Isaiah 59. Esaïe 59. La main de l'Éternel frappe, hein? The hand of the Lord. Voilà pourquoi nous quand nous chassons les démons. Which is why when we cast away demons, it's in the name of Jesus. Cette main qui est puissante. Because it's a very powerful. Esaïe chapitre 50. Isaiah 59. Verset premier. First verse. Non. Non. Verset premier. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous. Behold, the Lord's hand is not shortened. Ah, donc. On sauve par la main de l'Éternel. So saved by voyez, the hands of the Lord. C'est la main de l'Éternel qui sauve. The hand of the Lord of God. Or qui est le sauveur? Who is the sauver? Le Seigneur Jésus. It's the Lord Jesus. Voilà pourquoi nous disons. This is why we can say. La main de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Of God is Jesus Christ. Alors quand vous rentrez dans Jean. Now when we go back to John 10. Là où nous avons lu. Where we read. Jean chapitre 10. John 10. Là où nous avons lu. Nous avions lu les versets 28 et 29. We read verse 28 and 29. Maintenant nous lisons les versets 30. Now let's read the 30th. Moi, I et le Père nous sommes and the Father are one. Amen. Yes. Moi et le Père nous sommes un. I and the Father are one. Quand on dit la main de Dieu, when they say the hand of God, cette main de Dieu, c'est ça la His hand of God is the hand of the Son. C'est une seule personne. It's the same person. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas la divinité de Dieu. A lot of people does not understand the divinity of God. Même la nature elle-même peut vous enseigner. The nature itself can teach you. Et regardez. Listen, look. Avant que Dieu before God forme Adam. Before God created il avait Adam, d'abord créé son esprit. He created his own spirit first. L'esprit the spirit exists avant le corps. Exists before the même body. Ton esprit, even your spirit, toi, you, avant que tu sois né before dans ce you monde, were born in this tu world, d'abord you existed in a spirit. Yeah. You know that. Tu as d'abord existé en esprit. You existed in a spirit. Et le Seigneur a fait le corps. God created a body. Il a pris ton esprit, il l'a mis dans le corps. And put it in the body. Et maintenant tu es né. Now you are born. C'est-à-dire toi et ton esprit. You and your spirit. Vous êtes un. You are one. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ainsi avec Dieu. This is why with God. Dieu esprit. God's spirit. Il a fait un corps. He created a body. De la même manière qu'il a fait ton corps. Il avait God, aussi son propre corps. He also created his own. Et il a habité dans ce corps. He lived in it. C'est lui qui est Dieu. He is God. Il n'y a pas un autre. There is no other. Amen.
Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, there are people who mais say, si Jésus est dit, if Jesus is God, quand il est mort là, how, when donc he qui died, dirigeait le monde? Who was controlling the world? Si vous posez cette question if à l'apôtre Paul, ask that question to Apostle Paul, il va dire vous êtes insensé. He will tell you you are fool. Puisque Dieu ne meurt pas. Because God does not die. L'esprit ne meurt pas. The spirit does not die. Ce qui meurt c'est le corps. Dies is the flesh, the body. Et toi, c'est ton you, corps qui mourra. It's your body that ton esprit die. Ne mourra your pas. Spirit will never die. Vous comprenez? Amen. L'esprit ne meurt jamais. The spirit does not die. Comme ton corps mourra, the body will die. On va l'enterrer. We will bury it. Et ce corps-là va devenir poussière. Your body will become sand. Mais ton esprit but va your exister. Spirit will exist. Ton esprit, your spirit, attend. Wait. Soit la vie éternelle, soit la honte éternelle. Eternal life or hell. C'est clair, hein? Is that clear? Donc, vous savez par les Écritures, toutes les Écritures. The word, the entire Bible, we can Seigneur. Show the divinity of God. Alors, nous parlons maintenant de fiançailles. Now, let's talk about engagement. J'ai pris l'écriture des fiançailles de David. About David's engagement. Vous savez, you know, ce n'est pas en vain que j'ai pris les fiançailles de David. It's not in vain that I took David. Puisque David n'était pas un homme ordinaire. Because David was not an ordinary man. Nous lisons d'abord Psaume 22. Let's read Psalm 22. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris seulement les fiançailles de David. You will see why I took the example of David. Psaume chapitre 22. Psalm chapter 22. Vous êtes là? Yeah. Psaume 22. Psalm 22. Nous commençons par le verset premier. Let's start from the first verse. Au chef des chantres, Sir Ish de l'Europe, Psaume de David. Écoutez ce que David dit. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. My God. Pourquoi m'as-tu abandonné? You have still forsaken me. Hein? Mm. Vous voyez ça? Mm. David dit. David said, mon Dieu, my God, mon Dieu, my God, pourquoi m'as-tu abandonné? Why has thou? Vous connaissez quelqu'un qui a dit ça? Mm-hmm. C'est qui? You have who said? Ah, c'est que quand David disait ça, it means when David was saying c'est que ce n'est pas David homme qui parlait. It means he wasn't David. C'était le Seigneur qui parlait. It was the Lord speaking in him. Hein? Voilà pourquoi le Seigneur quand il vient, which is why when the Lord comes, il n'a pas contredit le prophète. He did not contradict the prophet. No. Il a confirmé tout ce que le prophète a dit. Everything that the prophet said. Voilà pourquoi quand nous prêchons, which is why when we preach, nous parlons des prophètes. We talk about Esaïe, Isaiah, Zacharie, Ézéchiel. Ézéchiel. Tous ces prophètes. All those prophets. Le frère Paul a dit. Paul said, que l'esprit de Christ that agissait the en eux. Of Christ was est-ce que vous avez compris? Vous allez vous vous rappelez une fois j'avais parlé de la danse de David. Yes. You remember one day I talked about yes. David. Yes. Quand David dansait là, when David was dancing, c'est le Seigneur Jésus. He was the Lord. C'est là que Dieu s'accomplit dans Jésus. Had to be accomplished in Jesus. Ce n'est pas que vous vous allez dire it's not you will say que nous dansons comme David. That let's non, dance vous like irez David. À côté. No, you will go off the way. Est-ce que vous comprenez? Hey. Quand les habits de David tombent, when the clothes of David fall, cela devait s'accomplir en Jésus. It also had to be accomplished in Jesus Christ. Alors, nous lisons encore une autre écriture. So let's read another scripture. Toujours Psaume 22, vous êtes là? Psaume 22. Lisez maintenant le verset 19. Let's read the 19th verse. Psaume 22, 19. Psalm 22, the 19th verse. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Vous voyez? Mm-hmm. Est-ce qu'on avait partagé les vêtements de David? Did they share the clothes of David? No. Hein? Non. Mais quand
le Seigneur Jésus vient, when the Lord Jesus Christ comes, c'est là qu'on a partagé ses That's vêtements. Where they shared his clothes. C'est là que sa tunique a été tirée au sort. That's when Amen. His clothes voilà was pourquoi c'est David là. Which is nous nous disons en réalité c'est le Seigneur Jésus. Puisque Jésus, because Jesus, il était là en train de se cacher dans des prophètes. Hiding inside of prophets. Voilà pourquoi et même les prophètes. Which is why even prophets, Pierre dit ceci, Peter says, il faisait des recherches pour connaître, he was trying to find out de qui il parlait, from whom et he même was speaking. Il connaît, il comprenait rien. He didn't even know who he was speaking from. You never read this? C'est ça ce que Pierre a dit. That's what Peter said. Let's take this. Amen. Nous lisons le frère Pierre. Let's read from Peter. Et Pierre chapitre 1er. First Peter chapter 1. Nous lisons le verset 10. Et Pierre chapitre 1er. Tenth verse. First Peter. Les prophètes qui ont prophétisé. The prophets that prophesied. Touchant la grâce qui vous était réservée. Of the grace that shall come into you. Je dis 1 Pierre chapitre 1er verset 10. I said First Peter. Chapter 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. The prophet that prophesied touched the grace. Qui vous était réservé. That was reserved. On fait de ces salis leur. They've done of de ces salis l'objet de leur recherche. The object of their research. Et de leur investigation. And of their own searching. Voulant sonder l'époque. Wanting to understand the era et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, circumstances marked by the Christ, qui était en eux, who was in them, et qui attestait davantage, and who was testified, les souffrances de Christ, the suffering of Christ, et la gloire dont elle se serait suivie, glory that should follow. Donc vous voyez que les prophètes. You see the prophets, ils faisaient des recherches et des investigations, trying to find out. Esaïe parlait. Isaiah was speaking. Il ne connaissait pas. But he didn't know de qui il parlait. From whom voilà he pourquoi speaking. Le Seigneur, quand il arrive, which is why when the Lord Jesus il va dire de Jean Baptiste, from he says of John, que de tous ceux qui sont nés d'une femme, of all people born Jean Baptiste est grand. John the Baptist is pourquoi great. Puisque Jean Baptiste a vu. Because John the Baptist saw the prophet parler. Whom the prophet was speaking Jean of. Baptiste qui l'a. It's John the c'est Baptist. Jean Baptiste it's John the Baptist that baptized him. Mais le baptême de Jésus. But the baptism of Jesus n'est pas is not à confondre avec ton baptême. Is not the same as your baptism. Puisque notre baptême, because our baptism, c'est l'engagement. It's the engagement pour le pardon de nos péchés. To for the forgiveness. Mais le Seigneur n'a jamais péché. But the Lord has never sinned. Mais son baptême est différent avec les nôtres. Is different as our qui explique autre chose. Which explains something else. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Alors nous lisons Actes. Let's read that. Actes chapitre je crois 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre. Chapitre 2. Two. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Ici le frère Pierre. Here brother Peter. Il parle. He's speaking. Nous lisons à partir du verset 27. Let's start from the 27th verse. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Because thou wilt not leave my soul in hell. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Neither will thou suffer thy holy. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. You made me know to me the way of life. Tu me rempliras de joie par ta présence. Thou shalt make me the full of joys. Oh, mes frères. Men and brothers. Qu'il me soit permis de vous dire librement. Let me freely speak unto you. Au sujet du patriarche David. Of the patriarch of David. Qu'il est mort. That he is dead. Qu'il a été enseveli. And buried.
et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. He is with us until this day. Comme il était prophète. Therefore, without being a prophet. Donc David était prophète. So David was a prophet. Vous savez ça? Do you know that? Il était prophète. He was a prophet. Et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment and sworn with him with oath de faire asseoir un descendant sur son trône. That of the fruit of his loins. C'est la résurrection du Christ. It's the resurrection of Christ. Qu'il a prévu et annoncé. Which he rise and announced. En disant. Saying qu'il serait pas abandonné dans les séjours de mort, that he will never be forsaken in hell, et que la chair ne verra pas la corruption. His flesh did see corruption. Et regardez. Listen, now look. David, de son vivant, in his il chantait, living, il disait, he was singing and saying, quand moi je mourrai, when I will die, Dieu ne va pas laisser mon âme dans les God études. Will not leave my soul in death. Même mon corps ne va pas pourrir. Even my body will not. Est-ce que vous comprenez ça? Do you know? Même mon corps ne va pas pourrir. Even my body will not. Certainement, je crois que même les gens de cette époque. Even the people of those era. Quand vous regardez David, vous pouvez dire mais when you were looking at David, you could say. Tu dis que toi, ton corps ne va pas pourrir. You're saying your body will not rot. Mais quand le frère Pierre vient, Peter comes, il dit que mais ce que David disait, he says that of what il David parlait de la résurrection du Seigneur. Speaking of the resurrection of Jesus Christ. Vous comprenez? Amen. Voilà quand nous parlons des fiançailles de David. Which is why when we talk about David's engagement, nous ne voyons pas un homme. We do not. Est-ce que vous comprenez? Mais nous voyons le Seigneur Jésus. But we see the Lord Jesus Christ. Puisque le Seigneur Jésus, because the Lord Jesus Christ, il s'est aussi fiancé à une femme. He also engaged to a woman. Et cette femme c'est l'Église. And that woman is the church. Vous comprenez? Amen. Nous nous sommes fiancés. We are à l'Église. Au Seigneur Jésus. To the Lord Jesus. Voilà pourquoi David. Which is why David. Qui devait prendre la fille du roi. Who had to take the king's daughter. La fille du roi Saul. The king's daughter. Son était Michal. Her name was Michal. Saul lui dit. Saul told him. D'abord, vous savez que vous connaissez les combats entre the Goliath, between Goliath et David. And David. Vous savez ce qui avait poussé David à combattre. You know what made David to fight? Vous savez ça? C'était la femme. It was the woman. Puisque Saul a dit. Because Saul said. C'est lui qui va frapper le Philistin. Will beat Philistine. Il va prendre ma fille à mariage. He will take my daughters in. Quand David a entendu ça, when David heard il that, a dit ah. He said oh. Moi. Un homme simple, devenir le gendre du roi. Become, il s'est décidé. Il a dit que je vais partir. He said I will fight. On se comprend? Mm. Nous, us, nous sommes la fille de Dieu. We are the daughter. Est-ce qu'on se comprend? Donc le véritable David comme so le Seigneur the Jésus. True David is the Lord Jesus. Pour nous prendre nous, to take us, il doit combattre. He had to fight. Yes. C'est pour vous dire que. It's to show you. La femme, but the woman, coûte cher. Is very expensive. Yeah. Yes, sir. Vous savez, il y a beaucoup de filles qui ne comprennent pas leur valeur. Elles se donnent aux jeunes gens. Non, il faut travailler pour prendre la femme. To work to get the la femme, on ne la prend pas du premier comme ça, comme si tu vas ramasser quelque chose de la rue. Non, you pick something from the street. No. Pour que nous nous devenions la femme du Seigneur. To become the wife of the Lord. Mais le Seigneur a fait ça. But the Lord suffered. Il a souffert. He suffered. Il est monté la croix. He went to the il cross. A versé son sang. He poured his pour blood. Yeah. Just to engage to us. De la même manière. The same way. David. Saul lui dit. Saul told him. Va. Go. Tu es saint. Philistin. And kill 100. Et amène-moi leur prix. And bring me all of their. Donc, c'est-à-dire que David, so it means that David, pour qu'il prenne Michal à mariage, il devait exposer sa vie. To expose his life. Puisque quand quelqu'un va au combat, when a person goes to a fight, c'est soit pour y mourir, to die, soit pour sortir vivant, or to come out alive. Yes. Amen. Donc, la femme, so the woman, on ne la prend pas
they don't take gratuitement comme ça. Freely, no. Il y a un prix qu'on doit payer. Et il faut que le père and the father de la fille of the woman puisse accepter. Accepts. Amen. Nous lisons ça. Let's read it. Puisque Dieu notre père because God our father a accepté que nous devions la femme du Seigneur. For us to be the wife of Jesus. Il a d'abord accepté. He accepted. Nous lisons d'abord ça dans Jean 16. Let's read it in John 16. Jean chapitre 16. John chapter 16. Nous lisons. Non, Jean 17 plutôt. Jean 17. John 17, sorry. Nous lisons le verset 11. Let's start from the 11th verse. Je ne suis plus dans le monde. And I'm not anymore in this world. Et ils sont dans le monde. But these are in the world. Je vais à toi. And I come to thee. Père Saint. Holy Father. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Keep through thine own name those whom you give me. Afin qu'ils soient un comme nous. That they may be one as we are. Vous voyez l'écriture ici? You see this scripture? Ceux qui étaient à Dieu, those that were from God, les Seigneurs, Dieu les a donnés au Seigneur. God gave them to the Lord. Premièrement, nous étions fils de Dieu. We were daughters of God. Et Dieu nous a donné au Seigneur. God gave us to the Lord. Donc le père, so the father, de la fille, of the woman, doit d'abord accepter, has to accept, de te donner sa fille à mariage. You his daughter for marriage. Alors. Quand le père, so when the father, comme le responsable de Rebecca, as Rebecca responsible, Laban avait accepté, accepted, et quand ils ont accepté, and when they accepted, ils ont posé la question à Rebecca. They asked questions from Rebecca. Veux-tu partir avec lui ou non? Would you like to go with him or not? Et Rebecca a dit oui. And Rebecca said yes. Comme Rebecca a dit oui, so as Rebecca on l'a laissé yes, partir. They let her go. Donc, alors, quand il y a maintenant fiancé, so when there is engagement, les fiançailles commencent engagement starts quand les parents de la fille acceptent. The father of a parent of the daughter accepts. Yes. Quand les parents de la fille acceptent, c'est alors que les fiançailles commencent. That's when engagement starts. Et on ne peut pas rompre les fiançailles. That cannot be. Non. No. On ne peut pas. Engagement cannot be broken. Voilà, le Seigneur a dit ceci. Which is why the Lord said this. Dans Matthieu. In Matthew. Matthieu chapitre 1. Matthew the first verse. Matthieu chapitre 1. Matthew the first verse. Matthieu chapitre 1. Verset 18. Matthew chapter 1 verse 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph. When his mother Mary was spouse to Joseph. Se trouva enceinte. Before they came, finding himself pregnant. Par la vertu du Saint-Esprit. From the virtue of the Holy Ghost. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Before they lived together. Joseph, son époux. That Joseph, her husband, qui était un homme de bien, being a just man, et qui ne voulait pas la diffamer, and not willing to make her a public example, se proposa de rompre secrètement avec elle, minded to pull her away privily. Comme il y pensait, but while he thought, voici un ange du Seigneur lui apparut. Behold, the angel of the Lord appeared in en songe et dit, in a dream, saying, Joseph. Fils de David, the son of David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Fear not to take into the Mary. Ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. The wife for which he conceived in her in the Holy Ghost. Marie était déjà fiancée à Joseph. Mary was already engaged to Joseph. Elle attendait qu'elle puisse aller entrer dans la maison de son mari. And was waiting for her to go and enter the house of her husband. J'avais dit le dimanche passé, I said last Sunday, que pendant la période de fiançailles, during
engagement, la jeune fille it's not, the young ne woman peut pas aller dans la maison de son futur mari to the house of her future husband. Voilà, j'avais donné l'exemple de l'église avec le Seigneur. The church as the, with the Lord Jesus. Nous sommes fiancés au Seigneur. We are engaged to the Lord. Et nous attendons que le Seigneur vienne nous prendre. We wait for the Lord to come to take us. Pour que nous puissions entrer dans sa maison. For us to go and enter in his house. On entre dans la maison du mari une fois pour toutes. We enter in the house of the man once and for all. On n'y sort pas. We don't go out. Comme nous, nous sommes encore des mortels. As we are still mortals. Ce qui peut séparer, c'est seulement la mort. That can break us is only death. Mais comme notre mari lui ne meurt pas, as our husband does not die, et quand nous serons dans sa maison, nous ne mourrons pas, we will be in his house, nous serons avec lui d'éternité en éternité. We will be with him eternally and eternally. Alors, quand les fiançailles commencent, so when engagement starts, l'homme ne peut pas rompre les fiançailles. Man cannot break that bound. Joseph, quand il avait remarqué que Marie était enceinte, he noticed that Mary was pregnant. L'écriture dit qu'il voulait rompre en secret. The scripture says that he wanted to break up with le Seigneur est venu vers lui pour lui dire que ne le fais pas. Came to him to say, don't puisque do it. Si Marie est enceinte, because if Mary is pregnant, ce n'est pas qu'elle a commis l'adultère, it's not that she committed adultery, mais elle est tombée enceinte par la vertu de l'Esprit. Conceived through the Holy Ghost. Ça, c'est un exemple pour dire that's an example to qu'on ne peut pas rompre les fiançailles. Not break engagement. Aujourd'hui, il y a des gens. Today there are people. Il a une fiancée ici. He has a spouse. Il a une autre à Chicago. Après de Chicago, et puis même des invités de Dieu. C'est grave. Un homme de Dieu ne peut jamais faire des choses. A man of God cannot do those. Ça, c'est un païen. That's a pagan. C'est un païen. Ça, c'est la vie des païens. That's the life of pagan. Nous voyons des gens. We see people. Il a laissé la femme he au Congo. A woman in Congo. Il vient ici, il va prendre. He comes here, he will take another one. Non. No. Ce n'est pas la parole de Dieu. That's not what the word of God says. Je crois que les images prochaines, on va parler de divorce. Next Sunday, we'll talk about divorce. Tu ne vas pas divorcer. You will not divorce. Puisque on t'a dit. Because they told you. Que ta femme. That your est wife. Une sorcière. He's a witch. Non. Tu ne vas pas divorcer à cause de ça. You will not divorce because of that. C'est pourquoi avant que tu te maries, which is why before you faut chercher la face de l'Éternel. Look for the face of the Lord. Tu te maries à une femme sorcière. You marry a witch woman. Tu vas vivre avec elle. You will live with her. Quand tu viens nous dire que les sorcières, nous allons te sauter. We will exhort you. We will pray. Parce qu'il n'y a pas une écriture qui dit. There is no tu vas chasser la femme car elle est sorcière. You will cast away a woman. Mais si toi tu es fils de Dieu. But if you are son l'esprit of God, de Dieu qui est en toi est capable de parler is capable of paralyzing pourquoi tu as peur craft, si tu as peur c'est que tu n'as pas it means you don't have God. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le mariage c'est pas facile. Marriage is not easy. C'est pas facile. It's not easy. Elle va te couper non? Elle va pas te marier. Ah, si tu n'as pas. If you don't have mais God, si tu as Dieu, if you have God, elle te fera. She will not do car le Seigneur a dit, because the Lord said, c'est lui qui est en nous. Who est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment est-ce que tu vas te? How can the witch? Regarde, you? Regarde. Look. Est-ce que quand le diable était allé chez Job, when the devil went to Job. Did he kill him? Qui avait permis who au diable de toucher Job? Of Satan, the devil. C'est que c'est Dieu. Mais quand Dieu avait permis, n'est-ce pas que Dieu avait donné des limites? Did God put limits? Dieu a dit, fais ceci mais ne fais pas ceci. Do this but do not. C'est que cette sorcière là, means those who d'ailleurs c'est bien pour toi. It's even comme ça, good ça va te pousser à beaucoup prier, à chercher pour la face de l'Éternel. To look for the face of the Lord. It's good. C'est bien. It's good. Le Seigneur dit que non, Lord says, que toi tu es faible dans la prière. You are weak in prayer. Allez, prends. Il allow Satan to come to you. Toujours de prière. You will go back in prayer. Amen. Amen. Alors nous disons ici. So we say this. On ne peut pas rompre les fiançailles. We cannot break engagement. Alors je réponds maintenant à la dernière question. So now let me answer the last question. La dernière question. The last question. C'était par rapport. Was based of. Aux ornements. Off of our ornament. Souvenez que quand
les serviteurs d'Abraham, the servant of Abraham, avaient rencontré Rebecca. Met Rebecca. Il avait pris. He took l'anneau. Ring. Earring. Il a mis ici. He put on face. Il a pris aussi des bracelets. He also took bracelets. Et j'avais donné l'écriture d'Ézéchiel. And I gave the scripture. Ça, Ézéchiel 16. Ezekiel 16. On termine par là. Ézéchiel 16. Ezekiel 16. Ezekiel 16. Ezekiel. Ezekiel chapitre 16. Ezekiel chapter 16. Je vais lire à partir du verset 10. I'll read from the 10th verse. Je t'ai donné des vêtements brodés. I clothed thee also with broidered work. Et une chaussure de peau teinte en bleu. And shod thee with a battered skin. Je t'ai ceigné de fin lin et je t'ai couvert de soie. I girded thee with fine linen and I covered thee with soie. Je t'ai paré d'ornements. I girded thee with ornaments. J'ai mis des bracelets à tes mains. And I put bracelets upon thy hands. Un collier à ton cou. And a chain on thy neck. J'ai mis un anneau à ton nez. And I put a jewel on your forehead. Des bandas à tes oreilles. An earring in the shine ears. Et une couronne magnifique sur ta tête. And a beautiful crown upon thy head. Alors suivez-moi. Now follow me. Quand Dieu a rencontré when the le Lord peuple d'Israël, met the people of Israel, il a pris. He took. Dieu a commencé à mettre des ornements sur ce peuple. Comme Paris. Pour que la Paris. So that the peril, c'est pour la beauté. It's for the beauty. Alors ici on dit. So here it said, que Dieu a donné des vêtements. God gave clothes. Il a donné la note. He gave an earring, les bracelets et les bracelet and jewelry. Est-ce que réellement? Really? Quand vous regardez le peuple d'Israël, when you look at the people of Israel, est-ce que vous verrez? Do you see que Dieu leur avait donné des bracelets? That God gave them bracelet. Quand vous regardez le peuple d'Israël, when you look at the people of Israel, est-ce que Dieu leur avait donné des vêtements? God gave them clothes. Ça, c'était langage prophétique. It's a prophetic language. C'était langage prophétique. It's a prophetic language. Pour dire que quand Dieu a rencontré ce peuple-là, met that people, quand l'homme rencontre une fille qu'il aime, meets a woman that he loves, il va commencer à mettre des ornements sur elle. Ornament on her. De la même manière que Dieu l'avait fait, les ornements que Dieu avait mis sur Israël, that God put on Israel, ce n'était pas des ornements physiques. It wasn't physical ornaments. Ce n'était pas des ornements physiques. Mais c'était langage. But it was a language pour parler de la Paris. Talk of Paris. C'est pourquoi le frère Pierre explique ça clairement. Peter explains disons it ce que le frère Pierre explique. Let's read what brother Peter. Il parle de cette Paris. He also speaks of that peril. Je suis dans 1 Pierre, chapitre. I'm in 1 Peter. Chapitre 3. 1 Peter, chapter 3. 1 Pierre, chapitre 3. Il First explique maintenant ce qui s'est fait là. Now he will explain what happened. Femme, verset 1er, femme, soyez de même soumises à vos maris. Be in subjection to your own husband. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, not the word, il soit gagné sa parole par la conduite de la femme. Without the word be won by the conversation of the wives. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. What I behold your chaste conversation covered with. Ayez non cette parie. Whose adornment left? Qui consiste dans les cheveux tressés? Which not adorning the planning of the les ornements d'or? And the wearing of gold? Ou les habits qu'on revêt? Or the putting on apparel? On s'arrête d'abord au verset 2. Let's stop in verse 2. Ici cette parure ici? Here these apparel. C'est une parure extérieure. It's an external apparel. C'est une parure extérieure. It's apparel external. Que les femmes aiment. That women love. Les femmes aiment la parure extérieure. Love the
external appearance. Voilà pourquoi l'apôtre dit, which is why the apostles, ayez non cette barrière extérieure. Have these external apparel. Mais au verset 4 dit, but in verse 4 says, mais la Paris, but let it be intérieur et caché, hidden in a man of heart, dans lequel, in a man of heart, la pureté incorruptible de l'esprit, in that which is not corruptible, et paisible, and quiet, qui est d'un grand prix, which is in a sight of God. Donc le, l'apôtre Pierre, so Paul Peter, dit que c'est la parure intérieure qui a de la valeur. Which has more value. Est-ce qu'on se comprend? Yeah. We understand. C'est cette parure là que les apôtres ont recommandé aux femmes. Recommended to women. Le verset 5. Verse 5. Ainsi. For after. Ainsi. For. Séparer autrefois. This manner in the old time. Les saintes femmes. The holy woman. Les saintes femmes. The holy woman. D'autres fois. Avaient aussi une parure. Old time also had parure. Cette parure. And that n'était time, pas extérieure, mais was intérieure. Not external, but was internal. Ainsi séparer autrefois les saintes femmes. And in the old time was these women. Qui espéraient en Dieu. Who trusted in God. Soumise à leur mari. Subjection into their home. Comme Sarah. Even as Sarah. Voyez. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Abraham. Et l'appelait son Seigneur. Calling him Lord. C'est d'elle que vous êtes venu le fille. It's from him that you came as God. En faisant ce qui est bien. As long as you do well. Sans vous laisser troubler par. And are not afraid with any amazement. Donc l'apôtre, so apostle, prend l'exemple des femmes saintes d'autrefois. Of holy women of the old. Ces femmes-là, he says, those women avaient une parure intérieure. They had an internal apparel. Parmi lesquelles, in between them, il y avait Sarah, there was Sarah, la femme d'Abraham, the wife of Abraham. Et Sarah, Sarah appelait son mari was Seigneur. Calling her husband Lord. Vous voyez ça? You see that? Vous voyez la parure? You see, véritable, a very c'est quand la femme a une bonne conduite. Has a very nice c'est cette parure que les apôtres ont prêché. Is what the apostles preach. Et Sarah, and Sarah appelait son mari Seigneur. Lord. Donc c'est que la femme, so it means the woman, doit appeler son mari comment? Has to call her husband how? Hein? Lord. Seigneur. Lord. Seigneur. Lord. Mais dans le sens, but in a way, du respect, of respect, de l'obéissance, of obedience. C'est cette parure là. It's that pure. C'est cette beauté là. It's the beauty qui est bonne pour une femme mariée. For a married woman. La femme mariée, a married woman, doit écouter seulement son mari. To listen to her husband. Une femme mariée n'écoute pas ses parents. A woman does not listen to her parents. Do you listen? Tu es déjà marié. If you are married, tu dois écouter une seule personne qui est ton mari. To one person who is your husband. Voilà pourquoi même Dieu, which is why even God, ayant le même qui est lui-même le maître de cet enseignement, himself being the master of this teaching, même pour que Dieu parle à Sarah, even for God to speak to Sarah, il était passé par qui? Where did he go to? Par Abraham. To Abraham. Dieu savait que Sarah était quelque part. God knew that Sarah was somewhere. Mais il pose la question à Abraham. But he asked Abraham, où est Sarah ta femme? Where is your wife? Donc il fallait passer par Abraham, he had to go to Abraham pour parler à Sarah. To speak, c'est-à-dire que la femme d'autrui, woman, elle peut écouter que son propre mari. Only hear, elle doit voir une oreille exercée pour son mari. She has to have a very attentive ear. Voilà pourquoi nous l'église. Which is why us the church. Nous sommes la femme d'autrui. Someone's wife, du Seigneur Jésus. Of the Lord Jesus. Nous ne pouvons pas écouter un autre enseignement. Nous écoutons seulement l'enseignement du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Nous nous mettons debout pour la prière. Let's all stand up.